Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 8 de Feed the Beat. Nous allons nous connecter au serveur Q de suite. Alors j'ai changé, je me suis mis en local host direct. En espérant que ça aille plus vite. Mais je ne sais pas. Bien, nous avons une mission bien particulière aujourd'hui. Qui fait partie intégrante du principe de Feed the Beast. Qui va être de faire notre... Saram, notre query. Oui, nous allons faire notre query. Tout à fait. Quelques évolutions tout de même. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire. J'ai découvert un super... Oh oui, mais il faut pas que je vous montre tout de suite quand même. Alors on va laisser un petit peu charger. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire, je m'exprime, j'ai fait mon Enderbag. Ce qui sert à rien, parce que bon, il y a pas beaucoup de place en fait. Et donc comme je disais, je voulais faire un Underchest. Oh diantre, que cela rame. Mais comment il spawn? C'est pas possible. Ce n'est tout simplement, tout bonnement, pas possible. Je peux pas spawner, là. Allez, meurs. Oh, c'est pas vrai. J'en perds mes mots. Alors, recharge-moi ça. Oui, j'ai réussi à faire mon under sac et un under chest. Le voilà là-bas. Quelques évolutions que j'ai fait à ma petite machine là. J'ai incorporé plusieurs autres éléments qui puissent être traités, notamment le sable qui peut être fondu en glace. Pareil pour le charbon qui peut être réduit en poussière de charbon et la résine qui se transforme en rubber. Donc bah, je les ai intégrés hein, simplement les produits bruts ici. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, quand je mets un produit, il passe dedans, il est transformé, il arrive là. Under chest à la française. Donc pour l'instant, il n'y a rien, mais dans le principe, quand je mettrai quelque chose dans ce sac, donc on voit en bas à droite, hein, on voit en bas à droite qu'il a les mêmes couleurs, c'est-à-dire que quand je vais mettre quelque chose, regardez, quand je l'ouvre, hop, le coffre s'ouvre. Alors on le voit en fond là s'ouvrir. Par exemple, si je fais dos, voilà. Et si je mets quelque chose dedans, ouais mais non, parce qu'elle va être, absorbée, ça va être le bordel. Mais en gros voilà. J'ai fait mes under chests. Comment? Oui, parce qu'il me fallait des underballs que je n'ai pas réussi à trouver. Parce que tous ces Enderman à la mort-moelleux se cassaient quand j'arrivais à la fin pour les tuer, on va dire. Après quelques coups d'épée. Donc j'ai trouvé un super élément, étant donné que j'en avais plein. Je me suis fait une Minium Stone. Voilà. Alors comme je savais pas, j'en ai fait plein. Bah, je préparais en faire plein. Et la Minium Stone, c'est quoi? C'est une inner stone. Donc pour la faire très simple, pierre, iron ingot, gold ingot. Et voilà, vous avez votre stone. Et ensuite, vous prenez ces chairs de minium qu'on en a plein. On l'entoure et voilà, ça vous fait ça. Minium Stone. Et c'est un peu cheaté comme truc. Je vais vous montrer comment ça marche. On prend la Minium Stone et on prend... Voilà, on va en faire qu'un. Ça suffit. Voilà, donc vous prenez votre Minium Stone. Ah, il y a des formules à connaître. Voilà, donc par exemple, on voit ici, à titre d'exemple, on voit ici que ça nous fait juste un Iron Ingot, ça nous fait 4 clés. Donc 4... Oh, je retiens jamais ce mot. Bref, ça nous en fait 4. Et voilà, comment j'ai une Under Pearl. Et puis bah, ça consomme. Donc là, bah, j'ai déjà pas mal rongé, hein, parce que j'en ai fait 5-6 des Under Pearl. Et d'ailleurs, bah, comme ça, on va pouvoir faire aussi un... Je sais plus si ça marche avec ça ou avec une blaze. Je sais plus. Non, c'est ça. Alors, il va voir qu'on trip. J'ai jamais fait un. Pour être honnête, j'ai jamais encore battu un seul dragon. Je n'ai jamais cherché un. Alors, normalement, après ce que j'ai compris, il faut la lancer. Et comme ça lag, je ne sais pas où elle est. Ah, si. Là, voilà.
Donc elle est partie là-bas. On va lancer. Oh, je déteste le lag. J'ai pas vu où elle est tombée de ce fait. Si elle est retombée au même endroit, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas vrai. D'ailleurs, si je te lance là. Non. Hey, mais reviens! Aïe! Je découvre, hein. Jamais utilisé. Bon, je suis assez intrigué là, il est passé où? Allô, petit Underpearl? Si j'active le mode magnète, ça devrait revenir. Elle est passée où? Faudrait limite que j'aille la chercher, non pas en réseau, mais en... partie solo. Parce que ça lag tellement que je la vois pas partir, en fait. C'est un peu gênant. Bon, quoi qu'il en soit, on va aller faire notre query. De toute façon, maintenant, avec mon machin, je peux en générer autant que je veux. J'ai juste à aller chercher de la blaze rod et puis route ma poule. Hein. Ah! C'est satané, Enderman. J'arrive pas à les buter. Par contre, ça, pour me prendre ma terre, alors eux, ils sont bons. Hein. Ben, je sais pas où elle est passée. J'aurais juré qu'elle serait tombée là encore, mais... je me suis lamentablement planté. Et a priori... elle partait dans le sens là-bas. Donc c'est qu'elle doit être là-bas. Ouais, je suis toujours pas déforesté ici, il faut que je le fasse. De toute façon, elle part pas à 10 km. Ouais, ça devrait marcher, parce que le machin, là, marche. Petite boule! Bon, que cela ne tienne. J'en veux pas de ça. Pour cela, je me suis généré un monde. Je me suis fait le monde de Gotors. Un petit monde sympathique. Avec les paramètres que je voulais. J'ai dû régénérer 2-3 petits bouquins parce qu'il manquait quelques paramètres que je voulais, notamment du désert. Et puis finalement, comme je dis, comme je suis feignant et que j'aime bien trouver tout au même endroit, j'ai tout simplement fait des petits biomes. Voilà, comme ça je trouve plus facile. Je suis outré là, je sais pas où elle est passée. Je suis juste outré. Donc on va y voir ça tout de suite. Alors, ah oui, je me suis construit ça aussi. J'ai commencé mon nanosuite. Alors, pour faire, très simple. Hein. Les cristaux d'énergie, donc j'ai été prendre les deux que j'avais déjà créés. Carbon plate, du verre pour le casque, et pour les pieds, on remplace le casque, hein, ici on met, enfin le casque, on remplace le verre par l'énergie cristal et on met rien au-dessus. Les carbon plates, pour les faire, c'est très simple. Dans un compresseur, on met du rocarbone, le rocarbone qui lui est constitué de 2 rocfeuilles, puis ils sont constitués de 4 coldons qui sont constitués de carbone! Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment très très simple à faire, c'est juste un petit peu long parce qu'il faut quelques appareils, c'est pour ça que j'ai rebranché, on le voit là-bas. J'ai branché mon compresseur là-bas. Donc on va faire l'atelier, ouais, sûrement là où il y a l'arrivée. On va faire l'atelier là-bas. Et je me suis généré mon monde. Donc, d'abord on va créer notre query parce que ça sert à rien d'aller dans le monde si on le crée pas. Alors, pour cela, il va falloir faire tout de suite des marqueurs, des landmarks. Il me reste de la blaze rod. Ah, j'ai farmé un. Bon. Ça, j'ai farmé un. Je sais qu'il en faut que 3, normalement. Donc, on va en faire 4. Hein. Allez, on en fait 3. C'est ça? Yes! Ah bah j'en ai fait 4, voilà. Et le query! Alors. J'ai vu que c'était pas extrêmement difficile à faire, le v'là. Il me faut une mine, une pioche en diamant, pardon. Iron Gear,
redstone. Donc on va faire pas mal d'iron. De ça. On va tout prendre d'ailleurs. Et puis on va voir combien on en fait. Ça logiquement avec ça on en fait un. Deux. On en fait deux avec ça logiquement. C'est ça. Deux. Et moi au total il m'en faut... Deux, quatre, six, sept. Il m'en faut sept. Donc on est parti, 7. Donc là on en fait encore 2, 2 et 3. Oula, à mon avis j'en ai fait trop. On va voir. Non, ça en fait 6. 6 plus les 8, c'est bon. Alors ensuite il m'en faut en iron, en gold si je me rappelle bien. Recette. En gold, en iron. Alors pour faire les iron... Il faut que je les fasse en stone avant. Donc il faut tous que je les fasse en stone avant. Donc on va prendre un maxi sac, stack de cobble. Voilà. Oups. Normalement c'est comme ça. Toic, 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 toic. Voilà. Ensuite, si je me rappelle bien, pour l'or, il faut quand même passer par l'iron. Voilà, donc on va tous les faire en iron. Il va de soi que j'ai pas pris. J'en aurais peut-être pas assez, on va voir. Donc on va tous les faire en iron, comme je dis. Ah, ça coûte un brin. Hein. Bon, après, normalement, il est bien rentabilisé, mais là. Voilà, je les ai tous en iron, donc maintenant, on va faire avec du gold. Donc, il en faut pas des masses en gold, il en faut. 2. Donc 3 iron, 2 gold. Alors on va les séparer pour être tranquille. 3 ici. Bon, d'ailleurs j'en ai fait encore en iron mais il me servira à rien. C'est vrai que j'en avais un en trop. Alors. Voilà, toc toc. Ah, il m'en faut en diamant donc dans tous les cas il faut que j'en fasse encore 2 en gold. Parce que pour faire en diamant je suppose qu'il faut passer par le gold. On va mettre ici. Et comme j'ai pas mes diamants là, on va aller les chercher tout de suite. Dans mon coffre-fort. Ça devrait faire l'affaire. On va miner, après on va miner. Youhou. Alors, comme j'ai jamais utilisé de query, je sais pas non plus comment c'est par les éléments, je sais rien du tout. Désolé, j'ai eu un petit souci. Alors, en fait, je me suis absenté une demi-heure là, je sais même plus où j'en suis. Oui, je venais de faire, mais en or, il fallait que je fasse mes diamants, donc j'avais été chercher mes diamants, tout à fait. Ça doit être comme ça, j'ai même pas regardé la recette, j'y vais vraiment au pif. Ah, super. Toc, toc. Voilà. Et il me faut une pioche en diamant. Il semble en avoir une quelque part. Parce que si je me rappelle bien... Ouais. Alors, est-ce que ça a marché? Allez, j'ai... On va essayer qu'un diamant. On va la réparer, ce serait dommage de pas la réparer. Je me demande si on peut renommer ça. Oh oui! Le... Perforateur. Avec un P majuscule, s'il vous plaît. Le perforateur. Oh, c'est bon, ça! Ah, ça, c'est génial. Alors. Normalement, 1, ça devrait suffire. Voilà, vaut mieux qu'elle soit dans un état bon. Alors. Enfin, en parfait état, pour faire plus simple. Bon, ça se met comme ça. Comme ça. Ça doit être comme ça. Alors, j'ai une bonne nouvelle.
c'est que je n'aurai pas besoin de faire de World Encore, malgré que j'ai tout ce qu'il me faut, parce que le query, lui, garde les chunks actifs. Donc logiquement, j'ai pas besoin de mettre de World Encore. Je vais quand même vérifier, mais normalement non, à partir du moment où il fonctionne. Il faudrait que je me fasse des engines. Alors, c'est quoi le mieux? Parce que le problème, c'est que Redstone Engine, ça va pas être assez puissant. Stirling Engine, il faut lui mettre de la ressource à chaque fois. Combustion Engine, pareil. Après, il risque d'exploser. C'est quoi la recette de ça? Je sais plus si c'est à base de quoi la Stirling. Je l'attends très bien. Une combustion? Y a pas une électrique? Si, électrique. Électrique engine et on l'alimente. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Il faut l'alimenter après. Alors attendez. Quittez pas, je regarde un truc. Ok, me revoilà. Alors, d'après ce que j'ai vu, le must, ce serait de commencer par faire ça, une Redstone Engine, d'en faire deux ou trois, qui vont tourner non-stop, et après de migrer vers une Electrical Engine en l'alimentant. Donc, vu que je n'ai pas tout le matériel pour l'instant pour l'alimenter, on va se faire ça. Et on va en faire... Je ne pense pas que ce soit possible, mais j'en aurais bien fait quatre. On va déjà en faire 3. On va déjà en faire 3 et on va voir pour les alimenter. Alors il va me falloir du bois en mars. Moi j'en ai déjà ici. Il me faut de la pierre pour faire des pistons. On va déjà commencer par 3 pistons. Est-ce que j'ai encore de la glace? J'en avais fait mais est-ce que je l'ai gardé? Bonne question. J'en ai pas ici déjà. De toute façon, il m'en faudra. Alors, comme ceci, on va en faire 3. On sait 3 redstone et 3 de fer. Voilà. Toc. Donc là, j'ai mis 3. Ça, c'est bon. C'est acquis. Alors maintenant, dans la recette, il me faut 2, 4, 6. Il m'en faut 6. Donc là, je peux en faire déjà 2. Et avec ça, normalement, je suis bon là. Voilà. Donc là, j'ai mis 6. Et il me manque, bon, on prépare tout, hein, comme ça, ce sera fait. Donc ça, les 3 là. Ah oui, mais j'ai oublié de mettre mon bois. Alors, on va pas s'embêter. Le bois, il m'en faut 3 fois 3, 9. Il m'en faut 9.
Voilà. Et je vais chercher mes trois vitres. Je sais pas si. Non, je n'ai pas vu ici. Hein. Je pense qu'elle doit être dans. Ouais, j'ai été chercher des cactus, j'ai généré une map désert, parce qu'il me manquait ça en fait, je voulais absolument désert, et je ne l'avais pas. Donc j'ai généré 4-5 bouquins pour avoir désert, j'ai réussi à l'obtenir. Alors oui, là il y en a. Là il m'en faut que 3. Ouais, on va tout prendre de toute façon, si j'en laisse un pour m'organiser. Et puis... beaucoup plus rapide comme ça. Ouais, j'en ai refait un qui m'emmène là directement. Et voilà. Donc comme je sais que ça n'explose pas, on peut les utiliser sans problème tout le temps. On va être ça là. On va se faire 2-3 torches en redstone. Mettre là, toi aussi, toi, ça pourra toujours servir, c'est mon dépotoir là en fait. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah bah oui, je me disais bien qu'il en manquait une. Voilà, ça servira aussi, et ça va être pour stocker là-bas. Ça. Je crois qu'on va prendre tous les pipes. On va prendre tous les pipes parce que sinon il va me balancer tout un peu n'importe comment. Donc dans un premier temps on va prendre du diamond parce que ça va être important pour la suite. Ensuite ouais, j'ai plein de stone donc ils iront dans le stone, dans l'or pour aller plus vite. Et je pense que c'est tout pour le moment. On va prendre du cobble au cas où. Mais là on est déjà pas mal. Ouais, l'iron pour éviter qu'il se culbute. Voilà, parce qu'après on va faire toute une installation. Et on va aller à Gutter's World. Donc je me suis déjà trouvé un petit coin. C'est parti. Bienvenue chez moi. Alors comme j'ai généré un monde avec de la redstone lamp, parce que je voulais de la redstone, et ben ça rame. Forcément. Voilà. Donc on va attendre que tout soit généré. J'ai commencé ici ma petite maison. Donc ce sera le petit atelier quoi. Et on va aller mettre notre query pour commencer. On va faire un petit carré et on va se mettre ici. Là il va nous rechercher plein de sable. En plus c'est génial. Voilà. Très bien. Un mouton, tu vas passer au quarry toi aussi. Hein. Quarry, quarry. Alors. J'ai un beau truc bien droit. Le mélomane. Super. Super, voilà. Après, on fera ça propre, hein. Mais en gros, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre mes landmarks. Donc, j'en fais pas un gros pour commencer, j'en ferai un plus tard, un autre. Par contre, ouais, donc. What? J'ignorais qu'il faisait ça. Mesure de précaution, on va le mettre là. Tant que j'ai cette touche là, ouais. Que j'ai mon truc d'activer. Alors ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà. On va faire plus propre comme ça. Ça, c'est juste pour la frime, parce qu'au niveau du paysage, je ne trouve pas ça beau. Voilà. Et donc, on va le placer autrement.
On va les mettre à un d'écart. Ça fait comme ça. Et normalement, si je prends une torche de redstone, en cliquant droit dessus... Non. Redstone, j'ai dit. Voilà. Comme ça, je peux plus me planter quand je les pose. Alors, si j'en mets un trop près... Si j'en mets une là, des torches... Ah si, ah bah il prend quand même. Il prend quand même, c'est bon ça. Ah c'est génial. Donc là, logiquement, on va pouvoir vérifier comme ça. La quatrième, donc je suis pas obligé de la mettre. Mais on va la mettre, voilà, ce sera là. Et ça va au maximum de 64 par 64. Donc ça, c'est bon à savoir. Et on va poser notre quarry, tout simplement, ici. Alors, j'ai jamais fait sur du sable non plus. Ça se trouve, je suis en train de faire une grosse connerie. C'est pas ça qu'il me faut. Normalement, ça se pose à côté, je crois. Jamais vu. Si je mets là, normalement non. Bon, voilà. Après des heures de prise de tête, j'ai tout changé. Donc j'ai enlevé la petite maison qui se trouve là. Et je vais montrer enfin comment fonctionne le quarry. Donc voilà, que je voulais initialement mettre ici. Mais en fait non, il faut faire un carré minimum de 22 par 22. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'ailleurs, j'ai pas envie de me battre. Le voilà. Le voilà, notre petit quarry. Que j'ai enfin réussi à mettre en place. Alors, j'ai dû faire des murs. Parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai eu des explosions de creepers en masse. Mais alors, à n'en plus finir. Donc, comment j'ai organisé mon truc? Donc, j'ai fait un carré de 22 par 22. J'ai mis de l'eau pour la simple et bonne raison. C'est que si jamais on tombe sur de la lave, eh ben, le quarry, c'est pas qu'il s'arrête, mais c'est qu'il ne creuse pas à travers la lave. Après ce que j'ai pu voir sur internet. Donc en mettant de l'eau, ça va se transformer, la lave va se transformer en obs. Et lui, il va tailler l'obsidienne, logiquement. Donc comme ça, ça me fera en plus un petit stock d'obsidienne. Alors j'ai mis ici mon fameux Ender Chest, qui lui va recevoir... là-bas le distributeur. Qui lui va recevoir toutes les ores là qui vont aller directement à ma raffinerie. J'ai mis ici, je jette un gravier, dirt et puis tous ces machins qui me servent à rien pour le moment. Ici, c'est toute la partie charbon, sandstone, etc. Tout est ici et puis bah tout ce que j'aurai, les diamants, etc. Tout vient dans ce coffre-là. Et dans celui-ci, c'est tout ce qui est cobblestone. D'ailleurs, je pense qu'avec la cobble, je vais mettre le coal, le charbon. Ce sera plus facile pour me repérer. Voilà. Comme ça, au moins, je pourrais la retrouver facilement et puis ça prendra pas trop de place. Alors, pourquoi je n'arrivais pas à le démarrer? Pas parce que ça ne marche pas avec des redstone engines. Il faut des steam engines, etc. Donc moi, j'ai fait des electrical engines. J'en ai fait 3. Qu'il faut obligatoirement alimenter d'une redstone, c'est pour ça que, ou d'un levier, hein. C'est pour ça que j'ai mis une torche de redstone, je me suis fait encore une world anchor pour qu'il puisse travailler quand je ne serai pas là, et je me suis fait 16, je me suis fait 16 watermill qui m'apporte 16 de, dans la bad box. Et je me suis fait 3 panneaux solaires, donc j'ai bouffé pas mal de ressources, mais comparé à tout ce que je vais gagner. Donc pour l'instant, ça change pas grand chose, ça va pas super vite, mais je me dis qu'après, en faisant évoluer, ça ira plus vite. Donc là, voilà la vitesse à laquelle il travaille. Donc il prend son temps, tranquillement. Et voilà, on commence à avoir de la ressource ici, donc ça va être bien. Donc on va laisser tourner, hein. Pour l'eau, c'est très simple, juste mettre un baquet d'eau, et c'est lui qui va s'étaler tout seul sur toute la longueur. Génial. Donc voilà pourquoi je n'arrivais pas à faire tourner mon quarry, c'est simplement parce qu'il fallait des engines un peu plus puissantes que les redstone engines. Et j'ai fait mon petit schmilblick avec ma petite poubelle ici, là. C'est-à-dire tout ce qui est gravier, tout ça, ça passe là-dedans directement parce que j'en ai pas besoin. A priori, le gravier faudrait le garder pour faire de la flint parce que la flint est très utile. Mais là, dans l'immédiat, j'en ai pas besoin. Au pire, je rechercherai ailleurs.
Ah, tu peux pas passer, hein. Ah! Oh, ah, mon Dieu! Je suis mort. Ouais, donc voilà. Voilà ce qui manquait. En tout cas, bah merci d'avoir regardé une fois de plus cette vidéo. Désolé pour les coupures, encore un petit peu long, je suis désolé. Je vous souhaite une bonne continuation. J'ai pas l'air comme ça, mais en fait, entre les 3 minutes précédentes et là, il y a 3 jours, 2 jours qui s'est passé. Ouais, à peu près. Donc j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits commentaires intéressants, notamment sur la fonctionnalité, et on m'a fait part aussi que ce qui faisait ramer, notamment, c'était les coffres en cristaux, comme ça, transparents. Donc j'ai décidé maintenant de les faire uniquement en diamant et ne plus mettre de verre pour les faire transparents. C'est dommage parce que ça donne vraiment un rendu sympa, mais a priori c'est ça qui fait ramer, donc bon, je vais faire confiance, je ne dirais pas que c'est mon corps de duo, voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.